Bonjour. Présente maintenant Mademoiselle Marpessa Dawn. Avant tout, je voudrais vous poser des questions peut-être indiscrètes. Vous êtes originaire de quelle région? Je suis née aux États-Unis, près de Pittsburgh, dans une ferme. No matter what people want you to believe, don't ever turn back on your dreams. That's right, Marpessa Dawn, our lovely French actress, originally from Pittsburgh, a mix of Black and Filipino descent. This color girl was the star of Black Orpheus, a romantic tragedy set in 1959 in Brazil by French director Marcel Camus. Mas então somos do peito, não? Como é teu nome? Você não se lembra? Eurídice. Que maravilha! E eu que já gosto de você. Claro, Orfeu gosta de Eurídice, pois acabais de me contar. Você é Orfeu? Sou, da cabeça aos pés. Black Orpheus is the story of the Greek legend of Orpheus and Eurydice, a beautiful and deep love story that shows that love defies death. Ele te mata! Toma conta dela. Eu não tenho pressa nenhuma. A gente se encontra logo mais. Marpessa's film Black Orpheus won the Palme d'Or, which is the equivalent of the Academy Award here in the United States, in the 1959 Cannes Film Festival. And then in 1960, it won a Golden Globe right here in America for Best Foreign Film. Our colored girl Marpessa Dawn started out as a dancer, dancing her way to success in nightclubs throughout France. Petite américaine vient en Europe passer des vacances et devient la vedette d'un film mondialement connu maintenant. Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous étiez artiste? Est-ce que vous étiez comédienne? Non, à ce moment-là, j'étais danseuse. Je n'avais pas encore travaillé, sauf aller à l'école. Je n'avais pas travaillé comme actrice, comédienne. Et j'ai commencé à Paris en faisant des petits trucs dans des films, comme danseuse ou comme figurante. Et puis jusqu'au moment où j'ai eu ce rôle dans La fille Elisa, ça s'appelait ce film. Oui. She originally traveled to Europe just for vacation, but ended up staying and becoming a very prominent actress. Qu'est-ce que vous comprenez par vedette Mettons, avant de signer ou de réaliser le film avec Marcel Camus, vous étiez une petite comédienne, une danseuse. Oui. Est-ce qu'après, quand ce film a obtenu le succès, tout de suite, on a fait de Marpessa Dawn une vedette? Oui, on a fait de Marpessa Dawn une vedette. je ne sais pas si je comprends très bien le mot vedette. Alors comment le comprenez-vous, le mot vedette? Le mot vedette, pour moi, c'est très superficiel. Ah. Et comme je ne me vois pas tout à fait dans cette lumière-là... Alors vous n'étiez pas vedette? Je ne sais pas ce que j'étais pour les autres. Moi, j'ai toujours voulu faire mon travail en tant que comédienne, actrice. Et jusqu'ici, j'ai toujours eu la chance de continuer à travailler dans ce domaine. En vedette, je ne sais pas. Dancer, yes. Actress, yes. Singer, yes. Yes. Je t'aime, Marpessa, and I stand on your shoulders.